Le bambou a toujours été un bloc inutile sur Minecraft. Mais avec Minecraft 1.20, on va enfin pouvoir le transformer en bloc de bois, ce qui va le rendre très utile. Donc pour préparer ça, je me suis demandé s'il était possible de passer de 0 bambou à non pas 1000, non pas 10 000, mais 1 million de bambous en moins de 24 heures. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc je me suis connecté, j'ai apparu dans une cave au pif et puis j'ai marché pour retrouver ma maison. Sauf que j'avais oublié mes élytras. J'ai oublié de mettre mon truc. Plus jamais je refais ça. Et donc c'était parti pour remonter. J'ai continué, je suis enfin arrivé à ma base. Mais bon, vous allez vous demander pourquoi j'ai déjà une base. Et bah c'est simple, j'ai décidé de faire ce défi sur le Camouf SMP. C'est un SMP avec Soran, Laylo et plein d'autres youtubeurs. Et en vrai c'est pratique parce que j'ai déjà des outils et un petit peu de stuff. Mais vous allez voir, ça va pas du tout m'aider pour ce défi. Ouais bon, faut d'abord que j'aille ranger tout mon stuff. Ça tombe bien, je suis super bien organisé, du coup on va tout mettre dans le coffre à bazar. Et dans le coffre à bazar numéro 2. Et juste là normalement, j'ai caché mon coffre à bazar numéro 3. Coffre à bazar numéro 4. Et le coffre à bazar numéro 5. Mais bon, c'était bien beau tout ça, mais il me fallait d'abord du bambou. J'ai fouillé partout pour en trouver, mais j'ai vu qu'il n'y en avait aucun. Et c'est normal, le village n'est pas du tout dans une zone avec du bambou. J'avais vraiment besoin de bambou. Juste un seul que je puisse le poser et commencer ma ferme. Je suis donc allé voir chez Soran. On va rentrer tranquillement chez Soran, voilà. Il a forcément du bambou là, non? Il a pas de bambou, non. Mais il avait vraiment rien. Ouais, non. Mais c'est le bazar chez lui, mais quoi? Mais c'est pas possible. Oh, trop bien, il y a du bambou. C'est bizarre ça, la texture du bambou, elle a changé. Mais bon, c'est forcément du bambou ça. Ah non. C'est pas du bambou, zut. J'ai fouillé tout le village. Chez Axio. Toutes les maisons. Ouais, non, il y a pas du bambou. Mais aucun bambou en vue. Ouais, non, il y a vraiment rien. Ce défi allait être compliqué. Ma stratégie était très simple. J'allais devoir trouver une forêt de bambou dans une jungle. Mais pour ça, bah, il me fallait des feux d'artifice pour pouvoir traverser la map super rapidement. Mais bon, malheureusement, j'en avais pas et même en fouillant partout, impossible d'en trouver. J'ai donc été obligé de partir dans une direction totalement random en espérant qu'il y ait une forêt de bambou pas très loin. J'avais une stratégie très simple, faire une grande tour et sauter avec mes élytras pour me déplacer assez vite. Le seul problème, bah, c'est que ça consomme beaucoup de blocs. Donc j'avais très souvent besoin d'en reprendre. Et puis aussi, petit problème, à un moment, je suis presque foutu par un creeper, mais j'ai eu des bons réflexes et vraiment j'ai posé un bloc entre moi et le creeper hyper vite. Oh, j'ai survécu. Et je crois que si j'avais pas fait ça, clairement je serais mort. Oh, je trouvais rien. Je n'avais plus aucun espoir. Mais là, tout a basculé. Oh, Axio s'est connecté. Du coup, j'ai dû retourner au centre de la map pour voir s'il avait ce qu'il me fallait. Et ça tombe bien, il en avait. Du coup, oui, t'as des trucs. Oh, c'est trop bien. Attends, s'il te plaît, tu veux me les donner ou pas? Genre, je te les achète contre, je sais pas, tu veux quoi en vrai? Contre de l'amour. Ah, t'en as beaucoup. En échange, je lui ai donné plein de nourriture que j'avais fermée juste avant. Moi, je pense que l'échange était très équitable. Mais je l'ai farmé avec toi, la viande de mouton. Oui, mais c'est toi qui me les donne. Oui, oui, 2 stacks de viande de mouton contre 50 000 stacks de firework. Ensuite, il m'a montré qu'il avait fait une ferme à creeper. Et grâce à ça, j'ai pu me faire encore plus de feux d'artifice. J'allais enfin pouvoir chercher efficacement mon premier bambou. Parce que ouais, le temps passe et on a toujours 0 bambou. Et c'est là que j'ai enfin trouvé une jungle. Et en fouillant un petit peu, c'est bon. Non, moi j'ai pas trop beaucoup bougé. Oh, il y a des bambous. Oh, il y a des bambous. Après une heure, c'est parti. Voilà. Plus que 999 999 à trouver. Ça va être super rapide. J'ai donc commencé par casser tous les bambous qui étaient juste là. Mais j'avais à peine commencé, je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin de beaucoup de coffres. Parce que 1 million de bambous, bah c'est beaucoup. Attendez, on va faire des petits calculs. Dans un coffre large, c'est du 9. 4, 5, 6 par 6. Ça fait 12, 48, 54. Et 54 stacks, ça fait 3456. Et donc d'après mes calculs, bah il me faudra 290 doubles coffres remplis de bambous. Ce qui est honnêtement beaucoup. Je me suis donc vite remis au travail. Ah ouais, en plus la forêt est assez grande quand même. Ah mais quoi, mais il a un meilleur stuff que moi lui. Non mais c'est bon. Je cassais, c'était un petit peu long. Oh mais en plus ça demande beaucoup de nourriture. Oh là là, j'ai faim. Au fait, vous vous demandez peut-être pourquoi je casse ça avec mon épée. C'est simple, les bambous si on les casse à la main, c'est pas super rapide. Et à cette vitesse là, j'en aurais pour plus d'un mois pour avoir 1 million de bambous. Alors que si on les casse avec une épée, c'est instantané. Mais bon, le problème du coup c'est que ça a cassé mes épées super vite. Donc il va falloir penser rapidement à toutes les réparer. Et voilà, on a enfin fait un double coffre rempli de bambous. Ce qui fait que pour l'instant, on est à peu près 5000 bambous. Ce qui fait qu'on est encore très très loin des 1 million. Bon, c'est bien pratique de miner les bambous qui poussent naturellement, mais le problème, c'est qu'il n'y en aura jamais assez. Il faudrait que je mine des dizaines de forêts pour arriver au 1 million. Et ça me prendrait juste beaucoup trop de temps. Mais bon, il y a un autre truc qui me fait perdre beaucoup de temps. C'est comme mon inventaire est plein, bah je dois retourner au niveau des coffres, poser tout ce que j'ai récolté dans les coffres, et après retourner casser du bambou. Et
Et après une heure à miner du bambou, j'en ai eu seulement 12 000. Ce qui fait que si je continue d'avancer à cette vitesse, ça me prendra plus d'une semaine. Mais je vous rappelle qu'on a que 24 heures pour ce défi. Parce que là, je perds énormément de temps parce que les bambous sont un peu posés n'importe comment. Et surtout, je perds vraiment du temps à aller les chercher en retard et tout, à les poser dans des coffres. Va falloir que je trouve une meilleure façon de faire. T'as pas intérêt à exploser, toi ? Non, c'est bon. Et je pense que ça va être l'occasion de régler deux problèmes qu'on a. Premier problème, mon épée va presque casser. Et c'est une épée en netherite qui va être très compliquée à refaire. Heureusement, dessus, j'ai l'enchantement Mending. Avec cet enchantement très pratique, si je prends de l'XP, ça va réparer mon épée. Mais bon, on n'a pas du tout de ferme à XP. Donc ça va être un petit peu compliqué à réparer. Ensuite, je suis parti chercher un peu de charbon. Et j'ai pu me faire des torches. Grâce à ça, mes coffres devraient être un peu plus sûrs. Bon, ça va être l'heure surtout de faire une vraie ferme. Parce que casser des arbres au pif, c'est vraiment pas rapide. Si je fais une ferme toute plate, je pourrais tout miner bien plus rapidement. Et pour faire ça, il faut que je retourne près de ma maison vu que j'ai un endroit plat qui pourrait me servir. J'ai donc fait un portail du Nether et j'ai commencé à bouger mes coffres vers ma maison. Et je suis tellement riche que j'ai carrément posé les coins du portail. Ouais, bon, par contre, c'est super long. Eh, ce serait beaucoup plus pratique avec une shulker box. Une shulker box, c'est comme un coffre transportable. Si j'en fais une, je pourrais obtenir beaucoup plus de bambou par récolte. Donc c'est sûr, il m'en faut une. Et ça tombe bien, j'ai vu que Soran s'était connecté. Mais avant de lui demander une shulker box, j'ai tué tous mes moutons pour faire un peu de place et j'ai commencé à planter les bambous. Voilà, voilà. Après ça, c'était l'heure de voler des shulker box à Soran. Mais ce ne sera pas si facile. Fallait que j'attende qu'il ait le dos tourné pour essayer d'infiltrer sa base. Il est où, Soran? Attendez, non, il est où? Ça, c'est sa maison, ça, on est d'accord. Oh là là, je suis normal, Soran. Oh là là, Soran, mon ami. Oh, c'est bon, il rentre chez moi. Hop, je lance la perle. Vite, 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 je passe ici. Oh, il y a des shulker shell. Ok, c'est bien ça, les shulker shell. Attendez, ok, après, vite, faut que j'aille me cacher là. C'est bon, je crois que c'est bon, il m'a pas vu, c'est bon. Donc, si je fais un coffre et que maintenant le coffre, je l'entoure de shulker shell, oh, ça fait une shulker box. Et là tu mets tous tes trucs et après tu recasses et tout. Oh non, ça c'est pratique, ça c'est bien. Bon, après je me suis perdu dans le Nether parce que je suis un peu bête. Un ghast a fait exploser le portail et j'ai passé une demi-heure à trouver un moyen de le rallumer. J'ai planté les petits bambous, je suis retourné en chercher d'autres et je les ai plantés et ainsi de suite. Ma ferme était donc pas mal mais trop petite, j'avais besoin de l'agrandir. Donc pour ça je suis allé chercher un petit peu de terre. J'ai cassé tous les arbres qui gênaient. Et j'ai pu améliorer tout ça. Oh non, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Et pendant que je construis ça, j'en profite pour vous remercier pour les 500 000 abonnés. C'est carrément fou qu'on ait réussi à atteindre un tel nombre. Parce qu'il faut pas oublier que je suis tout seul sur la chaîne, hein, les montages, les miniatures et tout et tout. Donc maintenant, l'objectif, c'est le million. Allez, je sais qu'on peut le faire. L'horloge tourne, il nous reste plus que 20 heures et on est seulement à 30 000 bambous. Alors 30 000, c'est bien, mais c'est seulement 3%. Donc si j'avance à cette vitesse, ça me prendrait une semaine pour avoir le million de bambous. Et malheureusement, j'ai pas une semaine. Mais bon, si je veux atteindre le million de bambous, il va me falloir une ferme encore plus grande. C'est donc pour ça que je suis allé voir chez Leilo s'il avait de la terre. C'est quoi là? Non, il y a pas de terre. Non, mais ils sont vides ces coffres. Mais comment ça? Mais oh, il a un étage. Et il en avait. Pendant que j'étais gentiment en train de ne rien faire d'illégal, il s'est connecté au pire moment. C'est quoi cette malchance? Il m'a vu en train de lui voler ses trucs. Non, mais c'est... Ouais, Leilo. Ouais, je visitais juste. C'est sûr. Ouais, et il s'est rapidement rendu compte que je lui avais volé toute sa terre. Attends, j'avais 5 stacks, un truc comme ça, même plus. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète pas. Je vais me venger. Pourquoi t'en as besoin? Mais pour faire une ferme. C'est trop bien, je suis en train de faire une ferme à bambou, tu vas voir. Ça va être trop bien. Tu m'embêtes beaucoup parce que là, la terre, j'en avais besoin. Je voulais faire un méga champ. Et honnêtement, je crois que j'aurais pas dû. Mais t'es à combien de bambous là? Mais je suis à plus de 100 000 là. Je m'avance super bien. Tu peux venir voir dans ton champ, mais il reste plus grand chose quoi. Qu'est-ce que tu racontes dans mon champ? Mais qu'est-ce qui se passe? En train de se casser? Alors, il m'en reste un dans mon inventaire. Oh, il y en a plus qu'un seul. Non, mais tu sais, comme j'ai galéré en plus, j'ai tout brûlé. Je suis désolé, mais tu vas devoir m'échanger toute ma terre contre le bambou que j'ai dans mon inventaire. Ok, en vrai, ça vaut le coup. Donc en vrai, voilà, je te donne toute la terre. Tout. C'est bon, le bambou, s'il te plaît. Oh, merci tiens. Beaucoup, voilà, merci. On est mal. À cause de ce petit problème dont je suis clairement pas responsable, j'ai plus qu'un seul bambou. En vrai, ce qui est cool avec les bambous, c'est que c'est la plante qui pousse le plus vite de tout Minecraft. Un bambou peut pousser jusqu'à entre 12 et 16 blocs, ce qui fait que même avec une seule pousse de bambou, il pousse, on le casse, on le replante, et hop, déjà une centaine de bambous. Donc en vrai, ça devrait aller. Mais le vrai problème, c'est qu'il fallait surtout que je me dépêche. Donc je suis allé chercher un petit peu de poudre d'os en espérant que ça aide un peu. Et après, grâce à la poudre d'os, on va pouvoir tout repousser, et tout recasser, et tout repousser, et tout recasser, jusqu'à avoir beaucoup plus de bambou. Et ça commence un petit peu à ressembler à quelque chose. Je commençais enfin à avoir assez de bambous pour pouvoir les casser efficacement. Puis ensuite j'ai alterné entre tout planter, tout recasser, tout replanter, tout recasser, tout replanter, et ça pendant très longtemps. Mais au moins ça avançait. J'ai aussi décidé de repasser dans le Nether pour pouvoir retourner à la jungle d'avant, parce que c'est vrai qu'il restait des arbres que j'avais pas cassés. Puis
je suis retourné à ma ferme. Ouais, bon, là, par contre, le problème avec tout ça, c'est que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de bambou. Donc, va falloir que je fasse des trucs pour le stocker. Donc, il va me falloir du bois déjà. Mais, genre, vraiment beaucoup, beaucoup de bois. Pour pouvoir faire beaucoup, beaucoup de coffres. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de coffres. Et ensuite, il va me falloir un petit peu de fer. Et après, je me fais des entonnoirs. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ouais. Ah, ouais, j'ai déjà plus d'entonnoirs. Ah, ça coûte tellement cher. Et je pense que pour avoir autant de fer, il va vraiment falloir que j'aille miner vraiment, bah, beaucoup, beaucoup de fer. Attendez, au pire, on va faire un test. Là, comme ça, c'est du coup, ça se fait aspirer normalement par ça. Voilà, et après, c'est du coup, ça se retrouve ici. Et normalement, ça va se retrouver dans ce coffre-là. Ok, parfait. J'aurai juste à tout mettre dans un seul coffre qui sera tout en haut. Et puis, tout va bien strier comme ça ici. Mais honnêtement, j'avais pas prévu que ça allait coûter si cher en bois. Parce que faire autant de coffres, en fait, c'est super compliqué. C'est déjà bien mieux comme ça. Puis je suis reparti pour casser du bambou. Et en quelques secondes, c'est bon, mon inventaire est rempli. Du coup, là, ma stratégie, c'est de casser, vous voyez, seulement les bambous qu'il y a au-dessus. Parce que si je casse celui-là, après, je dois le replanter et après, devoir réattendre. Mais c'est vrai que là, par contre, du coup, c'est un petit peu embêtant parce que, bah, du coup, je suis un peu obligé de slalomer entre les bambous pour les récupérer, ce qui est un petit peu énervant. Mais au moins, comme ça, j'ai pas besoin de les replacer. Et c'est comme ça qu'en seulement quelques minutes, j'ai atteint les 31 000. Donc en vrai, on est encore bien loin. Et ça a été le début des problèmes. Je cassais, je posais dans les coffres, puis je cassais, etc. Et j'ai remarqué que mon épée allait déjà casser. Alors que pourtant, je viens de la réparer, hein. Là, je suis même pas à 50 000 bambous de miner. Ouais, mon épée, elle va vraiment casser, hein. Ça casse super vite. C'est pour ça que je vais devoir trouver une autre solution. En faisant un peu mes recherches sur internet, j'ai trouvé quelqu'un qui avait créé cette espèce de machine avec des blocs de miel. Et le truc de cette machine, c'est que j'ai l'impression qu'elle peut vraiment aider à casser les blocs de bambou. Ça fait un truc qui avance tout seul. Regardez, c'est trop stylé. Donc, on va essayer de faire pareil. Donc, il va nous falloir des observeurs comme ça. Il va nous falloir de l'obsidienne, des pistons. Ou alors peut-être des pistons collants, ça, je sais pas trop. Et puis surtout, plein de blocs de miel. Aïe, les blocs de miel, ça va être compliqué à trouver. Pour en avoir, je vais devoir trouver des ruches, les casser et les poser dans un endroit spécial pour créer ma ferme à miel. Sauf que c'est pas si facile. Oh, regardez, du coup, ça casse tout et tout. Oh, je crois que ça marche. Allez, la magie à faire qui va s'arrêter normalement. Je crois que c'est exactement ça qu'il fallait faire. Bon, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais ça marche à peu près. Mais comment j'en ai trouvé autant de blocs de miel par contre? Donc, je suis parti chercher des fleurs et des ruches. Mais il y avait vraiment aucune ruche dans toute la forêt, quoi. C'est pas possible. Mais dans tous les cas, il me faut aussi quelque chose d'autre d'important. Il me faut des pistons sticky, genre vraiment les pistons qui collent. Et ça, normalement, j'en ai. J'ai fait une base secrète normalement par ici. Je crois que c'est vraiment par là. Par contre, attendez, 436, normalement parfait. Normalement ça devrait être juste là. Normalement du coup je sais plus, mais c'est quelque part par là. Non, je sais pas trop, c'est là peut-être. Non, c'est là, ici là, attendez. Oui voilà, regardez, si je fais un clic droit avec ma houe, du coup ça va ouvrir un truc secret, si j'appuie sur le bouton. Et bah hop là, voilà, direction vers le tout en bas. Direction ma base secrète, qui a honnêtement rien d'important. Oh bah voilà, des slime balls. Ça c'est très important, mais j'avais pas plus de pistons. Attendez, j'en avais plus que ça je crois, des pistons, j'en ai fait quoi. Et après avoir cherché des ruches pendant très longtemps, vraiment très longtemps, j'en ai enfin trouvé une. Oh, une abeille, une ruche. Une abruche. Puis deux. Oh, une autre ruche. Oui. Puis trois. Puis quatre. Puis un milliard. Bon, ma ferme à miel était clairement pas géniale, mais en vrai, c'était déjà un bon début. En attendant d'avoir la machine, je suis allé miner un petit peu de quartz pour réparer mon épée. Et j'en ai aussi profité pour aller miner l'obsidienne, parce que c'est vrai que j'en avais besoin pour la machine. Comme ça, voilà. Bon bah maintenant, en attendant que ma petite ferme fasse ses effets, je continue à casser les bambous à la main. Et ça devrait normalement déjà me rapporter un petit peu de bambou. Ah ouais, mon épée va déjà bientôt casser encore. Mais au moins, j'ai dépassé les 50 000 bambous. Mais bon, comme vous l'avez vu, si on continue comme ça, c'est impossible qu'on réussisse le défi. Mon épée casse beaucoup trop vite et c'est aussi super long. Et donc, vu que j'étais obligé d'avoir la machine, je suis retourné chercher un peu de miel. Ok, c'est bon, il y en a une juste là. Et encore une. Oh yes, oh oui. Donc normalement, je commence à vraiment avoir beaucoup de ruches si vous regardez. Regardez, j'aurais carrément mis des petites fenêtres. Et je pense qu'on va commencer à avoir une super belle ferme à abeilles, hein. Ouais, sauf que vous voyez, j'ai un petit problème. Si jamais je veux récolter une ruche en cliquant dessus, et ben les abeilles vont se mettre à m'attaquer. Mais si je dis pas n'importe quoi, par contre, si sous la ruche je mets un feu de camp, normalement ça devrait faire qu'elles vont pas m'attaquer. Donc ça pourra nous servir. Comme ça. Et du coup, j'ai envie de faire le test. Là, si je prends, ok, personne ne m'attaque. J'ai continué à récolter le miel des ruches pour la machine. J'ai ensuite récolté beaucoup de fleurs, refait un peu de feu d'artifice, nourri les abeilles et j'ai enfin obtenu ce que je voulais. J'ai enfin 10 blocs de miel. Là, là. Et le dernier, juste ici. Si ça marche pas, ça va être impossible que je puisse avoir les 1 million. Mais si ça marche, le million de bambou devrait être assez facile à faire. Et paf. Oh, c'est bon. Regardez, ça bouge à tout seul et tout, ça casse tout. Oh, ça marche. Oh. J'avais enfin la machine qui cassait automatiquement. Maintenant, j'avais juste à marcher pour récolter les bambous, à les poser dans la shulker box, puis en récolter à nouveau, puis les poser dans les coffres, etc, etc, jusqu'à enfin atteindre les 100 000 bambous. Et donc, on est déjà à 10% de l'objectif. Et si vous voulez regarder, en fait, 100 000 trucs, ça fait vraiment tous ces coffres-là, plus tout ce qu'il y a au-dessus, tout ce qu'il y a là, tout cela là comme ça, tous ceux aussi qui sont juste là, voilà, et aussi la rangée du dessus, si je dis pas n'importe quoi, voilà, là comme ça. Et il reste encore tout ça à faire, quand même peut-être un peu plus. Une machine, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Et c'est pour ça que j'ai encore amélioré ma ferme pour être encore plus rapide.
Et puis j'ai enfin fini la deuxième machine. Et j'ai continué à récolter, puis j'ai aussi essayé d'améliorer ma ferme. Mais bon, apparemment, vu que l'eau passait pas à travers les bambous, c'était un peu compliqué de faire un truc automatique. Jusqu'à atteindre les 200 000 bambous. Et ça continuait, mais le temps passait. Grâce aux machines, j'ai récolté en moyenne 3 stacks par seconde. Donc en vrai, en quelques heures, ça allait être bon. Et puis honnêtement, je pense que j'avais le temps, donc en vrai, je suis parti dormir. À mon réveil, il me restait plus que quelques heures, mais ça avançait très vite. J'ai regardé un petit peu si je pouvais faire une ferme automatique, ou si je pouvais juste monter sur ma machine pour récolter automatiquement. Ouais, et en vrai, ça marchait pas trop, et de toute façon, ça aurait pas été plus rapide. Puis j'ai passé la matinée à récolter des centaines de stacks de bambou, je les ai stockés dans des coffres et ainsi de suite. Jusqu'à dépasser les 400 000, les 500 000, les 600 000 et même les 700 000 bambou. J'ai bien sûr dû rajouter encore plus de coffres, j'ai fait une troisième machine, et puis après j'ai continué à récolter des bambou. Tout ça pour m'approcher très proche des 1 million. Tous les coffres là sont remplis, vraiment il y en a énormément. Et on est du coup à 999 999 bambou. On est très très près du but. J'ai plus qu'à poser ce bambou là et à le casser. On a galéré pour en arriver là, mais du coup bah c'est parti. Et voilà donc le bambou numéro 1 million. Et c'est parti, voilà.